Esteban, qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde ce que j'ai trouvé, Esteban. Mais qu'est-ce que t'as ramené encore? Alors, je suis allé dans une braderie. Non, mais on t'a dit qu'on en avait marre des trucs que tu ramènes de la braderie. À chaque fois, tu ramènes n'importe quoi et ça coûte super cher. Et Lily Rose, elle t'a dit qu'elle voulait plus rien dans sa chambre. Oh, c'est pas possible. On va pas obliger de la mettre dans sa chambre. Regarde, Esteban. Regarde-moi cette merveille. Un miroir. Bah, un miroir, ça se voit. Hein. Ouais, bah c'est un miroir, mais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un miroir? On a déjà plein de miroirs chez nous. On n'en veut pas. Et puis, à chaque fois que tu ramènes des trucs de la braderie, on finit par les jeter parce qu'on n'en veut pas. C'est moche, ça pue. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super beau. Ça sent la cave. Ça se voit que c'est un truc. C'est un vieux truc. Mais c'est un truc que quelqu'un a jeté. C'est un vieux miroir. Mais c'est un truc que quelqu'un a acheté à la poubelle et toi, tu l'as acheté. Et la vieille dame m'a dit ça avait appartenu. Un vieil homme qui habitait dans un château. Qu'est-ce que tu racontes? T'as acheté ça à une vieille dame encore une fois? Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai commencé la vidéo parce que je me suis douté que Peppa Pink allait revenir de la braderie. Et à chaque fois qu'il va dans une braderie, il achète des trucs bizarres. Et des fois, il achète des objets hantés. On en a marre. La dernière fois, il a acheté une poupée. On n'a même pas fait de vidéo dessus. Non, mais arrête. La dernière fois, il a acheté une poupée. Une vieille poupée horrible, super moche, tout ça. Le jour même, pendant la nuit, on n'arrêtait pas d'entendre pleurer. On entendait quelqu'un pleurer dans notre maison, etc. Et on s'est rendu compte que c'était la poupée. Il a acheté ça aussi à une vieille dame d'ailleurs, et c'était une poupée maudite. Bon, ça comme il est beau ce miroir. Ouais, il est beau. Non, mais c'est quoi ce... Il y a un mot derrière. J'ai pas fait attention. Mais t'as pas fait attention. Mais tu l'as même pas regardé avant de l'acheter. Attendez les amis, il y a écrit quoi dessus? Attends, chut. Miroir du grand Shambhala. À utiliser avec précaution. Mais comment ça à utiliser avec précaution? Qu'est-ce que t'as acheté encore? Je parlé d'un Shambhala. Attends, donc ça s'appelle un miroir du grand Shambhala à utiliser avec précaution. Madame Protus. Madame Protus, c'est qui? C'était la vendeuse? Ouais. 150 euros! C'est une blague! C'est pas très cher, regarde! T'as payé ça 150 euros pour ce vieux truc? Pour ce vieux bazar? Et ça veut dire quoi à utiliser avec précaution? Ça veut dire qu'il est dangereux? Je sais pas, je sais qu'elle a rigolé quand elle m'a vu partir. Ah oui, oui, à mon avis, elle s'est moquée de toi parce que tu lui as acheté une vieillerie pareille pour 150 euros. Mais t'es totalement bébête. Une vieillerie, c'est un truc. Oh, mais j'en ai marre de ce truc. Non, mais vraiment, t'abuses. En plus, Lily Rose va voir ça dans sa chambre quand elle va revenir du collège. Non, mais là, elle va le jeter à la Le miroir? Il est où? Esteban. Mais il est où? Il a disparu sous mes yeux. Attends, comment ça? Qu'est-ce que t'as dit? Il a disparu sous mes yeux. Il a disparu. Bah oui, je vois bien qu'il a disparu. Non, t'es en train de me faire une blague là. T'es en train de me faire un prank. Il est devenu tout flou. Oui. Et puis, il y a eu de la fumée. Et disparu. C'est une blague. Qu'est-ce que t'as acheté encore une fois? Bon les amis, alors là j'ai bien fait de filmer parce que vous allez vraiment voir les bêtises de Peppa Pink en direct à chaque fois qu'il revient de la braderie. Il part le matin comme... Non mais attends, là il est pas devenu transparent. Non, il y a vraiment plus rien. Le miroir qui était là, je l'ai filmé il y a... J'espère que je vais pouvoir vous mettre une vidéo de quand il disparaît les amis, parce que c'est... Mais il était... Alors là, il était vraiment là, posé. On l'a vu en vidéo, on l'a tous vu. Bon viens, ça tombe, il est à un autre... Ça tombe, il s'est téléporté à un autre endroit de la maison. J'ai encore acheté un truc magique. Ouais, bah là c'est pas un truc magique que t'as acheté. Imagine, c'est une arnaque. T'achètes le miroir 150 euros, une heure après il disparaît. Non mais c'est une catastrophe. Il est pas là. Les amis, peut-être qu'il s'est téléporté à un autre endroit de notre maison. Cherche un peu quelque part. Moi, je veux savoir s'il est là. Et au petit miroir, le petit miroir du Shambhala. Ah, c'est quoi ça? Valentin, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir Valentin. Viens. Regarde la tête de Valentin. Regardez-moi ça. Ça va, Valentin? Oh, comme pas. Le miroir. Non mais regarde! Bah oui, mais je regarde! Il y a le miroir qui est là! Mais oui! Mais comment ça se fait? Pourquoi il était dans la chambre et d'un coup il est ici? Oh non! Oh là, ça tombe! Eh oh, ça va? Ouais, non mais regarde sa tête là, maintenant il a plus de cheveux devant, ses cheveux ils sont tout blancs! Oh, c'est une catastrophe! Je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres. Ça tombe, il y a plusieurs miroirs qui se baladent chez nous maintenant! Eh oh! Bon, écoute, j'y ai même pas pensé. Ah ouais, non, faut enlever les chats. Allez, regardez pas le miroir. Non! Oh non! Il regarde le miroir, c'est pas possible! Non, pourquoi? Oh non! Regarde! Oh non! Le chat! C'est devenu un squelette! Oh non, c'est devenu un squelette de chat!
Le pauvre Murphy. Non, c'était Murphy. Ah oui, je le reconnais pas comme ça. Ouais, bah c'est sûr que là, on les reconnaît plus. Bon, on va le poser ici. Bon, ce chat-là, du coup, regarde, regardez, il est choqué. Ça va? Il veut pas se regarder dans le miroir. Non, et te regarde pas dans le miroir, d'accord? Mais pourtant, je me suis regardé dans le miroir tout à l'heure. Bah oui, mais peut-être qu'on s'est pas regardé aussi longtemps. Bon, Valentin, t'as regardé combien de temps dans le miroir là? Comme s'il va te répondre. 500 ans. 500 ans? Ah, il est devenu fou là. Bon, écoute, viens Peppa Pink. Bon, oh là les amis, le pauvre chat, oh, j'espère qu'on va pouvoir les faire revenir à la normale. Hein. Ferme la porte. J'ai pas envie de parler devant Valentin, de lui apprendre une mauvaise nouvelle. Du coup, on n'a même pas regardé ce que c'était sur internet, le miroir des grands Shambhala. Déjà, il comprend ce qu'on dit. Attends. Alors, le miroir du grand Shambhala est un miroir originaire d'Afrique. Déjà, ça vient d'Afrique, fabriqué il y a plus de 1000 ans. Ah oui, c'est un miroir qui a plus de 1000 ans, mais t'as acheté un truc super ancien. Attention, si vous vous regardez plus de 5 secondes dans le miroir, vous risquez d'être paralysé ou vous risquez de vieillir d'un coup de plusieurs années. Ce miroir est un miroir magique à utiliser uniquement en présence de sorcières et de sorciers. Ah oui, en gros, on peut pas l'utiliser quand on n'est pas sorcière ou un sorcier. Si vous en avez un en votre possession, votre seule manière de vous en débarrasser est de le donner à quelqu'un ou de le vendre. On peut pas s'en débarrasser. Ou le donner à la sorcière. Bah oui, là faudrait que la sorcière vienne. On lui dit qu'on a un miroir du grand Shambhala et elle va bien vouloir le prendre chez elle. Attends, j'appelle. Vas-y, appelle là. Ouais, allô la sorcière. Ouais, tu devineras jamais, Peppa Pink dans une braderie, il a acheté un miroir du grand Shambhala. Ouais, le miroir il a 1000 ans, il vient d'Afrique et tout, c'est un truc ultra ancien. Quoi? Demande-lui si elle connaît le miroir du Shambhala. Oui, bah elle est en train de me dire qu'elle connaît. Ah oui. Ah, t'en avais pas dans ta collection, mais c'est très rare. Il a acheté ça 150€. Ok, ouais. Elle veut bien le prendre dans sa forêt. Ok, bah viens tout de suite le chercher. Bon, vas-y, va chercher Lily Rose au collège. Comme ça, on pourra peut-être lui montrer ça. Et j'espère qu'en le donnant à la sorcière, ça va guérir Valentin et surtout le pauvre chat. Bon, t'inquiète pas, Valentin. J'ai appelé la sorcière. Elle arrive dans quelques minutes. Bon les amis, à tout de suite. Bon, elle est là. Allez, la sorcière. Ah bon, regarde-moi ça, cet objet que j'ai récolté pour toi en braderie. Enfin, qu'on a récolté pour toi. Ah. Un miroir du grand Shambhala. Ah, le miroir du grand Shambhala, justement. Bon. Oh là là, c'est très rare, mais comment il a fait? Bah, c'est très rare, mais à mon avis, c'est une vieille femme qui a voulu nous piéger, sauf qu'elle savait pas qu'on connaissait la sorcière. Donc voilà, bah tu... Il y a que les sorcières. Maintenant, je peux te l'offrir. Un miroir comme ça. Voilà, je te l'offre comme ça. Normalement, tout le monde peut redevenir normal. Vas-y, prends-le. Il est très lourd. Hein. Ouais, ça se voit qu'il est très ancien. Oh, regardez le chat. Il est redevenu normal. Ah, trop bien. Bon là, il est parti direct. Il a commencé à avoir peur. Bon, écoute, tu vas en faire quoi? Par contre, tu fais pas de bêtises avec. Hein. Non, je vais le ramener chez moi. Valentin. Ça va? Non. Ah ouais, bah oui, ça va pas. Bon, donne-lui une petite potion pour qu'il aille mieux. Oui, bon, allez. Voilà, allez, une petite potion. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est pas bon. Oui, bah c'est pas bon. Allez, tu peux aller dormir maintenant. Ah, je m'en vais. Allez, ciao. Allez. Bon, la sorcière, non. Je pense que tu vas devoir le ramener dans ta forêt. Ah bah parce oui, que je vais pas vous laisser. Je voulais le montrer à Lily Rose, mais j'ai pas envie qu'elle fasse une bêtise avec, qu'elle se regarde dedans et d'avoir encore beaucoup de problèmes. Donc, tu sais, Esteban, oui. Je vais te dire un secret. Oui. Ce miroir, il peut faire plein de choses. Oui, alors, le fait que tu peux vieillir. Oui, bah vas-y, fais plein de choses avec, mais loin de chez nous, d'accord? Ouais, mais si tu savais, tu me dirais. Tu peux l'amener dans ta forêt. Tu es sûr? Oui, bon, par contre, tu nous rendras les 150€, hein, voilà. Comment ça? Oui, bah on l'a acheté 150€, tu vas nous donner 150€ quand même. Oh! Non, mais dis donc. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est mon petit animal de compagnie, mon araignée crâne. Ça fait peur, ça, regardez, une araignée crâne. Crâne. Allez, bon, allez, c'est bon, tu peux partir avec le miroir. Allez, ciao. Ouais, bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je sais pas dire si elle m'a plu, au moins j'aurais appris un nouveau truc. Le miroir du grand Shambhala. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là. Allez voir une vidéo tout de suite. Allez, ciao.